le ballon passé. C'est vrai que Berthe Ousmane reste là sur deux fautes qui permettent aux adversaires de l'équipe du Mali de mener. Le pressing des Algériens avec Kadir qui se met sur son bon pied, il est retenu. Riyad Boudbouz Ferouli qui rentre dans les 18 mètres et c'est Traoré Seydou qui récupère. Keïta qui distille le jeu. Et on écarte sur le côté avec ce bon ballon de Traoré Abdou. On revient jusqu'à Tamboura Yama. Tamboura qui obtient les faveurs de la touche. Riyad Boudbouz qui... Traoré Abdou. Il tente de construire. Mahamadou. Les Maliens qui ont la bonne possession de balle. Avec bien sûr ce jeu. Attention, il n'y a pas de faute. Ismaël Bouzid, lui, préfère assurer. Ballon joué rapidement. Les Maliens qui ont la possession de balle. Seydou Keïta. Et il y a faute, juge monsieur Daniel Bennett, sur Traoré Kalilou. Traoré Kalilou. Ah, il préfère changer de côté. Ouais, pourquoi pas passer sur le côté droit. Le centre. Et la tête de Mahamadou Samassa passe à côté. Le longiligne attaquant du Mali. 21 minutes de jeu. Et l'équipe nationale qui mène toujours dans ce match. Face au Mali. L'ambiance monte un peu. Il fait toujours aussi chaud, même s'il fait moins chaud qu'en journée. Taux d'humidité, on se croirait dans un four en pleine journée ici. Slimani. Boudbouz. Ah, il choisit d'écarter le ballon. Ah, il n'a pas suivi Mehdi Lassen. Et pourtant, Riyad Boudbouz a fait une longue transversale pour donner ce ballon en profondeur pour Mehdi Lassen. Diakité Soumaïla. Karl Medjani en couverture. Long ballon pour Kadir Fouad. Le pressing de Kadir Fouad, Soumaïla. De toute façon, pour ces 20 premières minutes, le jeu est assez agréable. Le jeu est assez fourni. Et il y a du volume de jeu. Les deux équipes veulent remporter ce match. Ah oui, il y a un play, une semelle assez levée quand même, juge monsieur Daniel Bennett. Et le coup franc presque sur la ligne médiane. Berthe Ousmane. Chaou Yamba. Berthe Ousmane. Loin devant pour le gardien, Raïs Boulhi, qui prend le ballon. Et Mahamadou Samassa, cette fois-ci, c'est pas lui qui est allé. C'est Ndaï. Allez, dégagement de Raïs Boulhi. Riyad Boudbouz. Allez, très belle opportunité. Il accélère le passement de jambe. Allez, il préfère se mettre, revenir sur Adnan Guedioura. C'est bien fait en profondeur, il n'y a pas de position de hors-jeu. Kadir Fouad, le crochet. Kadir Fouad et le tirant. Ah, le rebond a empêché l'équipe nationale de marquer un autre but par ce retourneur, enfin ce tir, cette reprise de Mesbah Jamal, le sociétaire de l'AC Milan. Un joueur régulier en équipe nationale et qui fait d'excellentes prestations. C'est pas pour rien que l'AC Milan a choisi ce latéral gauche. Adnan Guedioura qui perd le ballon. Mesbah Jamal. Il y a faute là sur Mesbah, monsieur Daniel Bennett. Les Maliens très physiques avec. Et attention! Et
Raïs Mboulhi qui repousse le ballon. Et heureusement pour l'équipe nationale, eh bien, la reprise est passée à côté. Ah, mais c'était quand même très dangereux. Il ne faut pas faire ce genre de faute devant l'équipe malienne. Allez, Raïs Mboulhi. Lent dégagement. Slimani. Et toujours Berthe Ousmane qui est là. Karl Medjani qui préfère assurer, il a raison. Slimani, c'est bien fait pour Ferrouli. Ferrouli, attention, le centre. Et personne au deuxième poteau. Il était en retard, Riyad Boutbouz. D'ailleurs, il vient chercher ce ballon. Oh, c'est bien fait pour Slimani. Il est en position de hors-jeu. Oh, c'est dommage. Assez dommage parce qu'il y avait petite hésitation de la défense et il a profité. Malheureusement, la position de hors-jeu est effective. Ismaël Bouzid. En dégagement, Ferrouli. Pour personne puisque Slimani était très en retrait. Les Maliens qui sont en train de revenir petit à petit dans la rencontre avec Traoré. Traoré, Sidou Keïta. Qui reste un excellent joueur. Sidou Keïta, d'ailleurs, c'est le maître à jouer de cette équipe et le capitaine de l'équipe du Mali. Regardez, il touche tous les ballons. Et il perd le ballon à la régulière avec Mehdi Lhassen. Oh, c'est bien fait pour Slimani. Slimani, le deuxième but. Oh, le deuxième but. Oh! Oh, le raté de Slimani qui met le ballon sur le poteau alors qu'il est bois dessous de Soumaïla. Yadia qui était vide. Ah, c'est le ballon du chaos qui est mis là en dehors des bois maliens. Ah, l'équipe nationale est en confiance, elle est en verve. C'est vrai qu'il faut constater ce genre de football qui est offensif depuis quelques temps à l'équipe nationale. Attention, ce ballon de Sidou Keïta, le 1-2 est assez dangereux. Les Maliens qui tirent par... Et c'est vrai que c'est Traoré Abdou qui a tiré, mais l'action a été très rapide. Je vous disais qu'en 6 rencontres du coach Vahid, l'équipe nationale a marqué 13 buts, soit un but chaque 30-41 minutes. Et on espère que cette règle va continuer. Regardez, Kadir au milieu de deux défenseurs maliens. Le ballon dans les pieds de Traoré Abdou. Sidou Keïta qui accélère. Attention, il est dangereux. Sidou Keïta, crochet extérieur. Double crochet extérieur. Et Karl Medjani intervient. Ah, c'est un match assez plaisant avec deux équipes qui jouent l'offensive. Slimani. Il est en retard, Adlen Kidioula. Mahamadou Samassa. Et oui, ils ont tenté le passage en force. Allez, Riyad Boutbouz. Il n'y a pas de position de hors-jeu de Slimani. Slimani qui a du champ. Qu'est-ce qu'il va faire pour Ferrouli? Ferrouli qui se met sur son bon pied. Le but, non! Ah, le ballon qui passe juste à côté. Ah, je vous disais que l'équipe nationale est en train d'exercer un pressing, elle est conquérante. Elle confirme de plus en plus sa grande euphorie. Et sur le terrain, cela se caractérise par une domination. C'est vrai que l'équipe nationale, à peine une minute avant la demi-heure de jeu, est en train de donner une véritable leçon en matière de maîtrise du ballon. C'est vrai que le jeu est tourné vers l'offensive. Et l'équipe nationale a raté. Attention, Mahamadou Samassa qui reçoit le ballon. Mahamadou Samassa, il a une faute de Adlen Guidiola. Et Karl Medjani qui vient rouspéter. Attention à M. Daniel.